Ça va aller, vas-y. Et les messieurs, je sais tout du chat de la nuit. Il y a les El Famoso, Doctoron, debout à 2h du mat. Allez hop, ça dégage. Plus de flash top. Tu prends quoi Nova Nuit? Non, je prends de la mélatonine parce qu'en gros, je suis du genre à rester éveillé 2 heures dans mon lit à pas réussir à dormir, même quand je suis fatigué. Et c'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas un somnifère, c'est pas quelque chose qui va te faire dormir longtemps, qui va te casser ou quoi. C'est juste l'hormone que tu sécrètes pour te mettre en condition de sommeil. Sauf qu'au lieu de la sécréter les premiers milligrammes, au lieu de mettre 30 minutes à les sécréter, tu l'as déjà assimilé en 15 minutes. Donc ça te fait gagner, moi ça me fait gagner facile 15 minutes, 30 minutes par nuit pour me coucher. Si t'as aucun effet indésirable, renseignez-vous les gars. Écoutez pas juste ce que je dis, renseignez-vous. Ça a changé ma vie de fille. Ah, c'est de la mélatonine dedans dans Nova Nuit. Ou alors c'est quoi qui est... Et c'est sans ordonnance. Attends, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah oh, merde, tu meurs. Ah oh, vas-y, c'est pas drôle. Oh my god. Tu m'as tué l'Inca. Tu m'as tué. Hein. Tu as du sang sur les doigts. Sur les doigts, sur les mains. La game est quand même win parce que ça slopage vers ma gueule. Ça slopage vers moi, j'ai passé niveau 3 et j'ai mon item, ça reste ok. Et 5000 grammes, ok. Les gars, comme quoi les gens qui réussissent dans leur vie sont sous mélatonine. 30 minutes de non-productivité où t'es dans ton lit à rien faire, c'est pas... À scroll les boules sur Instagram. Ou la boucle sur TikTok, c'est pas rentable. Tu trolls mec, tu rigoles, enfin mais rien à foutre les gars. J'en ai rien à foutre. Peut-être que tu me trolls, fait, je vais pas te répondre. Ouais, Valium c'est de la merde. Non, Valium c'est si vous avez pas le choix, mais Valium c'est de la merde. Valium ça vous transforme en zombie. Alors certes ça vous calme sur le moment, ça vous règle les soucis sur le moment mais... Putain j'ai rien à faire là. Merde c'est une mauvaise barrière. Une très mauvaise barrière. Je survivais sans... Face à mon second sou. Je vais pas lose la game à cause de ça. Frérot, ah ouais mon elo c'est... La game est déjà décidée au moment où j'accepte la queue. J'arrive pas à le choper. J'arriverai pas à l'avoir. Il joue bien le action. Il fait des rebonds et il revient en avant. Il maximise bien ses DPS. Les pires molécules qui transforment vraiment mes patients, c'est le tertion. Saltation, je trouve ça choquant, comment ça te zombifie quelqu'un. C'est beau ça. Putain, sur ce crash de wave, je vais arriver à le tuer, c'est nickel. C'est nickel. J'ai pas beaucoup d'HP par contre. Non, ça me ping back là-dessus. C'est suspect limite, non? C'est bizarre. Je suis abattu. Mais y'a quelqu'un qui a... Y'a un gars qui va venir m'aider. Je sais pas. Juste, enfin si personne veut jouer, j'entends des pings, mais je vois personne, juste go next, hein. Putain, je me rends disponible. Après c'est un joueur de... Lui déjà, vous le connaissez pas, mais en gros c'est un mec qui s'est permaban plein de comptes il y a 3-4 ans. Il a eu des problèmes avec tous les streamers, tout le monde. Et mon mid c'est un joueur de match control. Donc toute sa famille explose s'il se met à jouer leur ligne. Et il joue bien.
J'ai très très envie de le prise, même si c'est pas rancoureux, même si c'est pas. Oh putain, mais. Il a juste back devant ma gueule. Faire un freeze alors qu'il joue Ignite, ça n'a aucun sens. Ça me fait dire quand ça arrive, ouais. Par contre, ça te. Ça te calme les crises d'angoisse. Je suis d'accord pour prendre du tertion pour les patients malades. Pour calmer les crises d'angoisse intenses. Mais en traitement de fond, ils font peine à voir mes patients qui sont sous tertion. L'argactyl, c'est vénère aussi. On va dire quoi. Holon Zapin, mais ça c'est différent, c'est un amphi. Je sais que j'ai pas en... fait, j'ai envie de commit, mais je sais pas si Viego va être là. Je suis vraiment en train de l'exploser l'autre par contre. C'est stylé. Oh là, le repositionnement avec le cure, c'est stylé. J'ai très peur. Ça me va. Repositionnement tactique. Bon, j'ai tanké le support top, j'espère que ça vaut le coup. Merci Scurvery. Je vous mets de la musique en fait. Tenez. T'es bon putain. Je suis à plus grand chose du Grandmaster Linka. Je suis à plus grand chose là. Malgré mes 12 heures de taf dans le taf, dans les pattes et la muscu. On se rapproche du Grandmaster. Main dans le slip bar. Il faut que je force, faut que je crache cette wave. Tant pis si je meurs. Le spike de l'OTRK est trop important. Très, très mal payé. Je crois que j'ai troll mon Q. J'ai voulu faire un Q pour récupérer les plantes en même temps, mais ça marche pas comme ça. League of Legends volume. J'aurais dû commit sur le Pike et trade kill. Et du coup, le Presence of Mind m'aurait donné le mana pour ulti le Akshan. Très, très mauvais call ce que je viens de faire. Par contre, je tank non-stop le Pike. Leur ADC est en 0-3. Game is win. On a les Drake. J'ai confiance. T'as un travail à côté du stream? Non, je suis full-time streamer. Bienvenue à toi, Saint-Team. Je suis un gros chômeur là, je viens de me lever. Je me suis levé à 20h, lancer mon live. Ok. Je vais aller ward deep, ça donnera l'info sur le Viego. Putain, je pense qu'il est sur le chat. Enfin, il est sur le stream le Vikes. C'est pas cohérent au niveau macro ce qu'il fait. Oh vas-y. C'est pas cohérent ce qu'il fait parce que je vais continuer de gagner la top lane. Hey, pas. Est-ce que 150 HP peuvent m'aider dans ce match-up? Pour moi c'est full damage. Hein. Full damage et bonne chance. Pourquoi elle est que niveau 5? Ah oui, parce que je comprends pas pourquoi elle est que niveau 5 en vrai. Le pack est niveau 6 en ne prenant pas d'XP de lane.
Ou alors il a pris beaucoup d'XP en... Il est à moitié streamer, moitié souleveur de cougar, j'aime bien. Ça me plaît comme programme. Ça crie au stream hack direct. C'est pas stream hack, mais en termes de macro call, c'est de la merde ce qu'il fait. Tu ne peux pas jouer à cet elo, tu ne peux pas jouer. Compenser tes mates mauvais. Oh, quelle horreur. Là, je suis en train de mourir. J'ai eu. Voilà. Voilà pourquoi c'était de la merde. Ils ont donné toutes les ressources à ce action qui ne pourra pas jouer. Parce qu'il n'a pas l'ADN. Il n'est pas fait pour être bon au jeu. Si j'ai 900 gold, j'ai mon item, ce serait vraiment incroyable. Tu veux. Moi, ça me va de griller une plaque en vrai, non? Je pourrais pas. Ils ont pris la première tourelle bot. Voilà, continuez de comp ce putain d'action. Il n'a pas l'ADN. Moi je vous dis qu'il n'a pas l'ADN. Moi je le sens dans mes gènes. Je sens que j'ai les gènes d'un putain de Grand Master qui boue en moi. Mettez-moi Wixel, j'en ai rien à foutre les gars. Je vais quand même un V9 game. Vous pouvez pas perdre le Drake cross map. Et au moment où j'ai dû acheter un cristal de rubis, les gars, vous en souvenez ou pas? Le moment où j'ai voulu acheter un cristal de rubis, finalement j'ai acheté que de la D. C'est ça qui m'a fait win. C'est ça qui fait que ces moves qui se jouent à que dalle se passent. Putain, mais quelle horreur! Bien joué. Attention à l'ulti-pike. En vrai de vrai. Ok. Je crois que c'est de la merde, mais je vais juste lui montrer ce chien parce que je sais qu'il est sur mon chat. Ok, je peux pas, il a disparu. J'espère que tu sais voler. J'espère que tu sais voler. Je vais jouer avec lui. Je vais le suivre. Le niveau master, je l'ai lu, c'est bon, je l'ai vu et revu. Ne pas tuer Pike pour que deux hommes soja viennent le sauver et au final tuer les trois.
Désolé pour ceux qui font des clips, les gars, ça vous fait beaucoup de clips à faire. Hein, mais bon. Comment je vais bien dormir? Let's go, Linka. Merci, PG. Si un jour tu veux un concept où tu joues Warwick et que je coach, moi ça me va. Hein. Merci, Tio. Merci à tous ceux qui follow, les gars, merci. Bon, loup-garou montera challenger. Infirmier à temps plein, Gomuscu à temps plein. Joue à LOL pour le fun et montre à challenger. Je vous le dis. Flash. Rien à foutre, c'est juste pour lui montrer. Je joue jungle poulet, j'aime pas sans barrière en vrai. Je comprends. Je comprends. Domoclas, merci pour ton frame. Après j'ai un jungle qui regarde mon gameplay, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu fous sur mon live? Naka, tu connais, t'es connu qui es-tu? Un petit streamer dans mon coin. C'est, je pense, un des plus grands youtubeurs, frérot. Un des plus grands youtubeurs de ma génération, on va dire. De l'ancienne génération, mais il est encore actif en ce moment. Mais il est de l'âge d'or de YouTube. Tac tac tac. Mais ici il est incognito, hein, donc soyez gentil. Dose un peu quand même. Oh bah. T'as le million toi, attends, je suis sûr qu'il a le million. Je suis sûr que c'est. Ou alors t'as le. T'as le trophée YouTube des 100 000. Au moins. Mais oui, ça, 100 000, oui, quand même. Peu de respect. Il a 1 million. off YouTube depuis presque un an. Ok. Il a 1 million d'abonnés. Mais putain, what the fuck. Non, en vrai, respect, tu m'inspires, frérot. Oh, tu me motives. Oh, tu me motives. Oh là, mais la bête, le titan. Je suis pas un bandeur de stats d'habitude, mais là, qu'est-ce que je bande. Il est top 20 speedrun Minecraft. Ouais. Sacré CV. Putain. Bon, tu voulais être incognito, d'habitude ça passe, mais là, c'est mort. Là, il faut qu'on sexe slowly. Oh, vas-y, my bad. Ça débloque le Drake. C'est que un deuxième Drake, c'est de la merde. We can force Nash and I hard commit. It's auto win. Attends, je reconnais ça. Le père Walou est chez sa femelle. C'est quoi ce nouveau setup de stream, plaît-il? Frérot, c'est mon setup de base depuis presque 2 ans. Et mon vieil appart tout claqué. Let's go, ça passe. Il y a une carte sur mon cul là, c'est figé, c'est dire. Enfin, moi j'ai loupé le train. Le seul moment où j'ai suivi Minecraft, c'est quand Crocodile il était en train de trade pour la Z-Lan. L'arc Crocodile sur. Pour speedrun et même quand il a découvert le jeu. En hardcore, il voulait finir le jeu en hardcore. C'est. Ça me fait kiffer Minecraft. Mais ça manque de loup-garou. Le jeu, il manque de loup. En vrai de vrai, il y avait un angle de kill sur lui, mais bon. Je sais que les ennemis veulent juste hard commit sur ma gueule. C'est un beau catch.
Mathieu me joue super bien. L'arc Maric sur Minecraft, mon dieu. Oh putain, je l'ai loupé celui-là. Ok, go back. Imo, il faut go back. Let's go. Play Comedy Club, Gueuze et Porto. Pourquoi dans ma tête j'ai Gueuze et Porto dans ma tête? Attends, mais là tu viens de me faire un choc mental de quand j'étais gosse par contre. Il n'y avait pas un mec en skin de Steve de base et un mec en skin de dieu. Enfin de. D'Apollon, de. Wouah. Non, Play Comedy. Ah, peut-être que. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. C'est peut-être pas ça en fait. Peut-être que je dis de la merde. Ok, on peut finir cette game en vrai. 550, let's go. My bad. Du coup, on chase les kills au lieu de finir la game. Non, en vrai, ça, on prend les nibs là-dessus. J'ai très mal joué. Marix égale rêve de rebalage. Ça se dit. Marix Prime égale Alteria Team Evil. Je suis d'accord. J'ai énormément de respect pour Alteria, mais je pense que Marix, il est. Là, je dirais même Marix au-dessus, genre tellement je suis fan. Marix est le meilleur caster de SGOTP et ce n'est même pas son taf. C'est quand même une folie, hein. Rien que ça déjà, pour montrer à quel point le mec est gifted. J'ai 100% de runrate avec son Zac en solo queue. On peut drake là-dessus. Avec le meilleur streamer, je te jure. Non, ok, meilleur streamer lol, bah en vrai. En vrai, Tiki, hein. Moi, j'aime bien. Mais pourquoi tout le monde ping back? Je comprends pas. Pourquoi vous avez peur, les refs? C'est quoi cette... Il n'y a aucune cohérence. Comment on gagne ça même? Putain mais wesh. En vrai je kill bien, je devais cut mon live mais je ne devais pas le cut hein. Je ne devais pas cut ce live, je joue trop bien là. Skyheart et Rissoline, non. Enfin, Skyheart c'est. Skyheart c'est une entité. Pour moi, Skyheart c'est pas un streamer, c'est une aura, c'est un mindset. C'est un lifestyle. Il ressemble à Tom Hardy dans Légende. C'est quoi ce... Je vais voir c'est quoi comme insulte que tu m'as lâché cette fois-ci. Tom Hardy. Légende. Il est magnifique. Oh là là, toi tu passes VIP direct.